Ils sont nombreux, ces jeunes Camerounais qui font de la boxe leur noble passion. La boxe est un sport qui a une place prioritaire dans ma vie, c'est-à-dire mon papa était boxeur. Le grand frère de mon papa, qui est Rim Sey, était boxeur. Donc c'est un héritage familial, c'est une passion, c'est un amour pour ce sport. C'est un avant tout, c'est une passion pour moi. Et c'est un moyen aussi pour moi de sortir ma famille de la souffrance qu'elle est. Je le fais aussi pour devenir un champion aussi demain, qu'on parle de moi un peu comme Ganou en ce temps. I started doing boxing. I never knew that I could do some competitions. I was just doing it for my health. But in the long run, I discovered that I can earn a life from it, and that's how I made myself doing boxing. So, which today I'm very happy for the effort that I made to become what I became today. Contre vents et marées, ceux-ci se permettent tout de même de croire en leur rêve. Avec la boxe, je me vois en tant que professionnel. Hein. Vous savez, nous tous, nous avons des idoles, comme Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Floyd Mayweather. Nous voudrions bien atteindre ce niveau pour que nos familles puissent être fières de nous. On se bat comme on peut, on essaye d'évoluer et puis au fur et à mesure, avec le temps, la boxe va produire ses fruits, le travail va produire ses fruits. C'est un métier pour certains. Moi, c'est un métier pour moi. Et je sais que quand un enfant a fini ici, quand il monte en Europe, il s'en sort mieux. D'ailleurs, même la boxe en Europe paye plus que le football. Hein. Le moins que l'on puisse dire est qu'ils ont choisi une voie remplie d'embûches. Les difficultés que nous rencontrons dans la pratique de ce sport ici au Cameroun, particulièrement, c'est le sponsoring. Le sponsoring, voyez-vous, nous sommes champions du Cameroun. Mais nous sommes champions du Cameroun, nous nous entraînons dans quel contexte? Sometimes we train under the rain, sometimes we train under the sun, and which is not good for the health also. Nous entraînons dans un espace restreint. Vous pouvez vous imaginer si nous avons un sponsoring de taille, un sponsoring plus élevé. À quel niveau nous pourrions aller. Là, c'est notre papa Rim Sey qui est notre manager, qui est notre coach, qui est notre sponsor, qui nous gère tous, qui subvient à nos besoins. Donc, nous avons aussi besoin d'un sponsor plus grand, plus efficace, plus large. Au vu de toutes les difficultés, ils ont pour rêve d'exercer leur profession hors des frontières africaines. In Cameroon, things are not moving the way like elsewhere. Like for example, we don't have a good manager, someone that can manage our club. And sometimes when we even have competitions, they don't give us the exact money that they usually tell us. So I cannot really tell you here in Cameroon, you can really earn a living with that. But elsewhere, like in abroad, That's where our dreams lies. Donc, that's where we plan to go and box and have a good living standard there. Nous sommes plusieurs ici qui boxons pour pouvoir aller en Occident et mieux nous exprimer. Le Cameroun ne permet pas que nous puissions, nous athlètes, nous exprimer dans les bonnes conditions. On se souvient il y a quelque temps de la visite au Cameroun d'Oumar Kremlin, président nouvellement élu de la Fédération internationale de boxe. Il se disait vouloir œuvrer à rendre meilleures les conditions de pratique de ce sport au Cameroun en faisant parvenir sur le continent des équipements de qualité. Ceci afin de stopper l'exode des pugilistes. Mais pour le coach Sey, le problème est plus profond. Nous sortons d'une Coupe du Cameroun où on a eu une minable somme, vraiment. Donc, vous voyez un peu, ça décourage. Parce qu'on a des enfants qui ont atteint la maturité. On a des enfants qui peuvent déjà voyager, aller boxer. On a des enfants qu'on peut appeler à l'équipe nationale, aller défendre le Cameroun à l'extérieur. On a des enfants ici qu'on a négligés. On appelle les gars au quartier pour aller défendre le Cameroun. Comme la dernière fois au Sénégal,
on est sorti zéro parce qu'il n'y avait pas de gars vraiment solides. Il y en a ici que si jamais on pouvait appeler, les gars vont faire mieux que ceux qui voyagent actuellement. Il y a beaucoup de désordre à la Fédération du Cameroun, Fédération de boxe du Cameroun. Il y a beaucoup de désordre. Il faut de l'ordre. Moi, je ne peux pas mettre l'ordre là-bas. C'est entre eux. Alors que le monde entier attend ce 28 octobre 2023, le combat Francis Ngannou face à Tyson Fury, ces jeunes combattants et leurs coachs ont un avis bien précis sur ce combat et son issue finale. Ngannou va donner un KO au 4e round. Tyson Fury, c'est un bon boxeur, mais il n'est pas puissant. Par rapport à Ngannou, je sais que Ngannou démarche, lui, c'est un homme qui pourra tomber très mal. Impossible n'est pas camerounais. Il peut sortir champion, il peut battre Tyson, malgré que Tyson c'est un stratège dans l'art et que Ngannou, lui, n'a jamais pratiqué cet art au début. Le fait qu'il soit nouveau dans le ring ne pose pas problème parce que son atout majeur est sa détermination. Sa détermination et sa volonté de pouvoir élever son pays déjà et de pouvoir montrer qu'il peut être meilleur dans tel ou tel domaine, surtout en sport de combat. Ça fait 6 ans. Ngannou a essayé de faire la boxe anglaise à Douala. Ça n'a pas pu donner. Il a pris les envols pour la France. C'est en France qu'il a mieux persévéré. Jusqu'à aujourd'hui, c'est retourné aux États-Unis. Si Ngannou était au Cameroun, il n'allait pas progresser. Ouais. Honnêtement parlant, s'il était ici au Cameroun, ça aurait été un peu plus complexe pour lui de rêver d'affronter Tyson Fury. Pourquoi ? Parce que les conditions d'évolution, les conditions d'entraînement, les conditions de prise en charge ici ne sont pas les mêmes par rapport aux pays occidentaux. Nous, généralement aux États-Unis, en Angleterre ou au Canada, c'est pas pareil. Ici, ça aurait été un peu plus complexe, un peu plus difficile. Je ne pense pas qu'il aurait eu très grande chance, mais il aurait pu le faire quand même, mais pas avec les mêmes chances qu'il a pu le faire de l'autre côté. C'est pas facile de se lever un jour et dire que tu es, et de rêver que tu es champion, parce que quand on voit notre grand frère Ngannou, bon, on se dit vraiment que là, c'est vraiment un rêveur, un bon rêveur. Il a cru en lui et nous aussi, on aimerait vraiment croire en nous, comme moi. Parce que si, quand je me revois dans les années antérieures, ça n'a pas été vraiment facile. Mais maintenant, aujourd'hui, je commence à bien croire. Je veux vraiment être champion et que ma famille soit vraiment fière de moi parce que, disons, personne n'a vraiment cru en moi au début. Thank you.
ou Africa TV, au-delà des idées reçues.